Et salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de No Man's Sky. Alors désolé pour la semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode, tout simplement parce que le fichier vidéo a tout simplement déconné. C'est-à-dire que je pouvais pas réutiliser le fichier vidéo, donc j'ai pas pu faire la vidéo. C'était une vidéo où j'avais construit la base. J'avais construit la base, j'avais fait plusieurs essais parce que j'ai voulu mettre les modules, mais en fait c'est... Bon, j'ai pas dit que du bien du système de construction de No Man's Sky, qui pour moi est une catastrophe, mais bon, bref. On va continuer. Hop. L'histoire du jeu... On est reparti. Alors, est-ce que j'ai assez de carburant? Je sais pas. Ah bah oui. Continuer d'aider Artemis. Ok. Alors, il faut qu'on aille à quel endroit? Par là, on a la station, il me semble. Station hors la loi, d'accord. Donc l'anomalie spatiale. Acheter des plans de technologie ou de nouveaux éléments de base à bord de l'anomalie. Partez en mission avec d'autres voyageurs depuis le Nexus ou échanger. Non mais ça non. Non c'est celle-là que je veux faire. Calibrer le traducteur. Vous pouvez apprendre des mots en parlant aux formes de vie extraterrestre ou en explorant leurs ruines. Ou autre lieu sacré, trouver des formes de vie extraterrestres à bord de stations spatiales ou dans divers bâtiments planétaires, explorer pour localiser des ruines ou des monuments anciens. L'inquiétante géométrie pourpre de la station Atlas abrite une interface et une création. On va faire celle-là. Dans l'espace, accéder à la carte galactique à partir du X, système contenant la station Atlas. Ok. X. C'est là. Oups. Alors, on doit aller là. Toc. Distorsion. Toc. C'est parti. On va continuer l'aventure, mais ouais. J'ai été très déçu par le système de construction. Et pourtant, je joue à quasiment... Ouais. À énormément de jeux de survie où il y a beaucoup de construction, mais... Ouais, non. Pour moi, c'était une catastrophe, quoi. C'était un enfer. Bref. On y va. Prix 30, cool. Ah, attendez, c'est quoi ça? Le mot vous. Parfait.
Une autre interface Atlas, combien en existe-t-il dans le néant profond? Combien de temps ont-elles passé à dormir, à attendre un voyageur? M'attendent-elles? Suis-je une sorte d'élu? L'Atlas a créé cette existence, les Geeks, les Vikings, les Korvax, les étoiles qui remplissent le ciel et la haine que brûlent les profondeurs. Tous les astres en mouvement, toutes les formes de vie, l'Atlas permet tout ça. Consentir, bah oui. J'accepte le don de la connaissance, convaincu que ma décision est la bonne, tous les doutes se dissipent, les étoiles m'attendent. Nouvelle recette de produits apprises, l'ombre englobée, de la ferrite pure, d'accord. Donc on va sûrement devoir fabriquer ça. Alors... C'est là-bas, là. On peut y aller ou pas? Ou non, on peut pas. Je pense pas. Donc là, ça devrait être bon. Je sais pas, j'apprends plus rien avec les mots. Je sais pas s'il faut les prendre, ça j'en sais rien. Si, j'ai appris ciel là. Impeccable. Là. Hop. Localiser une interface Atlas, retourner dans l'espace pour accéder à la carte galactique. Ok. Et pour fabriquer le nouvel objet, il va me falloir de la ferrite. Alors, là on avait des planètes. On les a pas visitées ces planètes-là, on est d'accord? Ah, elle a l'air sympa celle-là, tiens, on va aller voir. Wookie. Je croirais dans Star Wars. Ok, après il va donc y avoir une autre planète. Ah mince, j'ai plus d'énergie. Ah, de la pyrite. Du tritium. Ah, je crois que je vais pas avoir ça. Hein. Ah, attendez. Non, j'ai tout vidé dans mon inventaire. Ah, catastrophe. Catastrophe, catastrophe, catastrophe. Tout ça je peux pas, tout ça je peux pas. Ça c'est quoi ça? Bon, c'est de la pyrite. Du sodium. Non. Bon. Du coup, bah, on va devoir. Est-ce qu'on peut aller sur la planète. La planète, pardon, ici? Ascianator Funag. Parti, 5 minutes. Oh. Ça va être long ça. Ça va être long. Bon. J'ai été dans le petit sur les astéroïdes là. Du coup j'ai récupéré ce qu'il me fallait, mais j'ai un vaisseau ici.
qui s'est affiché, je sais pas trop ce que c'est. On dirait qu'il y a une récompense pour lui. Je sais pas si je le rattrape ou si... J'ai pas l'impression. Si je le rattrape... Bon. Allez. On se rapproche, on se rapproche, on se rapproche. Petit à petit. Est-ce que je touche quelque chose? J'en sais rien. Ah bah voilà, j'ai détruit quelque chose. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Ah. Un transpondeur. D'accord. Alors, c'était quoi la planète qu'on voulait visiter? C'est celle-là. Pour obtenir votre récompense, chassez et détruisez. Niveau de menace, d'accord. Hop, on va recharger ça. Normalement, je crois que j'ai... Voilà, impeccable. Technologie rechargée. Hop là, c'est parti. C'est un peu plus rapide. On va aller visiter la planète qu'il y a là. Petite seconde. Ça devrait être intéressant. Elle a l'air sympa, la planète. Ouais, sympa, sympa. Wow. Alors, qu'est-ce qu'on peut identifier par là? Ok. Mille, ça c'est quoi? Ok. C'est bon. Protection radiation défaillante. Ah. Une planète radioactive. Ouais, pour l'instant ça va. Ok, donc on a trouvé ça ici. Hein, c'est quoi ça? Oula. Ah, j'ai plus d'énergie là-dedans aussi. Technologie rechargée. Voilà, parfait. On va récupérer de ça. C. F. Elle était où? Mince, je l'ai perdu. Mais il était où le signal? Non, c'est pas ça que je voulais. Je suis dessus ou quoi? Ah, un drone, mince. On va pas être tranquille, hein. Ah, c'est là.
C'est quoi? Ça s'est identifié. Ça s'est identifié aussi. Il est où le drone? Il n'est plus là. Mais non, ça c'est mon arme. Non, ça c'est... Ah. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi ça? Ah, j'aurais cru que c'était un gisement de quelque chose, ça. Mais non. Ça, c'est quoi? Ah, de la ferrite magnétisée. On peut peut-être aller voir ça, tiens. C'est pas très loin. Ah, mais il y a ça aussi. C'est bon, je peux miner ça quand même. Protection radiation câble, hein. Et ben, oups. Voilà, parfait. Qu'est-ce qu'on avait d'autre par là? Poussière de ferrite, ça m'intéresse. Ah, ça c'est pas analysé ça. Prendre un petit peu de tout là. Par contre j'ai un drone qui me cherche, non? Ouais, c'est bon, c'est que des pierres. Oula. J'ai rien fait. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. J'arrête, j'arrête. Promis, promis, j'arrête. Vu que j'ai l'accent, on va faire autre chose en attendant. Non, c'est pas ça que je voulais faire, eux. Hop. Il n'y a pas autre chose que je pouvais analyser s'il y a ça. Ok. C'est parti. Il est où? Il est là. Ok. J'ai un trésor, une cargaison, une cargaison, sac bourdonnant, uranium. Ah, l'uranium, j'en ai pas beaucoup de ça, je vais peut-être aller chercher celui-ci. Il y a combien celui-là? 800, oula. 300, encore ça va. Cuivre. Une cargaison. Protection, voilà. Radiation.
Uranium. On va aller chercher de l'uranium. Oula, mince, oui, j'avais pas fait gaffe. Ah oui. Non, pas ça. Ça. Parfait. Oui, mais ça va la radiation pour l'instant, je tiens bon. Il me faut de l'oxygène, mince. De l'oxygène. L'oxygène, pour l'instant, j'avouerai que j'en vois pas beaucoup. Ah, je fais rien là. Alors, dépôt de... Oui, il est là. Impeccable. Je crois que c'est... Ah oui. C'est de l'uranium. Impeccable. Ah mince. Impeccable. Ça c'est bon. Il faudrait de l'oxygène. Là c'est quoi? Non identifié, peut-être que ça serait pas mal. Oxygène, impeccable. J'en ai pas beaucoup par contre. Hein. Tire ça. Hop. Oxygène, c'est pas ce que je veux avoir le plus. Hein. Ah si, un petit peu d'oxygène, là, c'est bon. Alors... Ouais, c'est pas énorme, mais bon, c'est mieux que rien. C'est quoi ce truc avec les mouches là? Ou je ne sais quoi? Ah, du blé, d'accord. Ça, ça m'intéresse. Ah bah tiens, oxygène, impeccable. Ah oui, j'en ai récupéré pas mal là, d'oxygène.
Ah. Ah, moi je crois que je suis en train d'identifier un truc. On a une... À 150 mètres, on peut aller voir ça au pire. Ce qu'on va y trouver. Après, on va repartir pour la suite. Bon, c'est pas très loin, donc ça va. J'ai le droit de toucher à ça quand même. Impeccable. Hein. Des projectiles d'armement normalement. Ouais, 31. Ok. Hop. Alors, donc il faut qu'on trouve une autre station. 29% ça. Oh non, j'aime pas les combats. Perdu. Ok. Alors. Ah mince. Ok, donc. Non, c'est pas ça que je veux. Alors, la suite. La suite, il faut aller là. L'hyperpropulsion n'a pas de carburant. Ah, mince. Alors, l'hyperpropulsion n'a pas de carburant. Ah oui, d'accord. Et comment on fait déjà ? Cellule de distorsion, hyper noyau de distorsion. Hop. Cellule de distorsion, comment on fait ça déjà? Avec de l'antimatière. Ça c'est... Ah mince, avec de l'antimatière. Antimatière, on fait ça avec du métal chromatique. Métal chromatique, alors. Comment on fait le métal chromatique déjà? Ferrite, non? Ah mince! Ah non, c'est pas le moment, les gars. Non! Oh, mais ils sont trop nombreux. Ah, ça va être compliqué si je suis déjà attaqué. Je vais retourner sur la planète au pire. Ah, j'aime pas du tout les combats spatiaux, hein. C'est pas mon truc, hein. Plus 3 vaisseaux, alors 1 ça me gonfle déjà, mais alors 3, on raconte pas. Est-ce qu'ils vont me suivre jusque là?
Voilà, et il m'a poussé. Il est fou, lui. Ok. Donc, il faut que je fasse quoi? Là, je suis au calme. Il faut que je fasse quoi? Il faut que je fasse du métal chromatique. Non, c'est pas ça. Il me faut ça. Ouais, métal chromatique. Je sais plus comment on fait ça, moi. Avec ça, non? Ça ressemble à quoi? Ah, j'en sais rien. Ou de la féerite. On va faire des essais, hein. Ce que vous voulez. Hop. Alors. Si je mets ça, par exemple. Non, c'est pas ça. Bon, attends. Évidemment. On a une tempête en approche. Donc on disait métal chromatique. J'en ai pas des fois ici. Bah non, j'en aurais. Sinon, j'en... Comment on fait le métal chromatique? Avec le carbone, non, plus sûr de ferrite, peut-être ferrite pure, et après ça, ça fait du métal. Hein. Essayez, on va bien voir. Hein. Attends d'en avoir 200. Hop. Ferrite magnétique. Ferrite pure. Ferrite magnétisée. Ah non, c'est ce que j'ai déjà. C'est débile. En fait, ah non, j'ai réduit. Oh. Comment on fait? Métal chromatique. Si je fais la poussière de ferrite, ça va me faire de la ferrite magnétique pure. Après, non. Ça, j'avais chassé ça, je sais plus. Ouais, des hydrogènes. Donc, non, c'est pas ça. Nitrate, je crois pas. Carbone. Non, mais non, ça c'est l'inverse. Uranium. Poussière de ferrite, d'accord, bah non, je veux pas. Mais mince, pourtant, c'est pas la première fois que j'en fabrique ça, je me rappelle plus. Du métal, mais comment on fait le métal chromatique, je me rappelle plus du tout. Truc de fou quand même. Info météo. Fin de la tempête. C'est cool, merci. Oui, il me faut de l'antimatière obligatoirement. Le contenant en lui-même. Ah, il me faut de l'oxygène. Ah, purée. Ça, c'est quoi, ça? Ah, ça, c'est du carbone. Ça, c'est...
du métal chromatique. Oh purée, je me rappelle plus comment on fait. Ah, c'est croquettes pour animaux, j'avais pas vu qu'on pouvait en faire là. D'accord. Et puis j'aimerais bien avoir un inventaire plus grand en fait. On voit rien là. Avec l'or, qu'est-ce qu'on fabrique? De la pyrite. Tritium, on avait essayé ça, je sais plus. Argent. Ah non, ça va pas. C'est fou, ça te passe rappeler des choses. Hein. Non. Bon, bah, on va tout essayer, hein. Ça. Non, ça m'intéresse pas. L'oxygène, je pense pas. Non, c'était sûr. Tritium, non. Carbone, poussière de ferrite, poudre de silicate, non. Uranium, non. Dihydrogène. Ça va me donner ça. Ok. Ça, je peux fabriquer au pire. Ah ouais, non, c'est trop long. Oh non, bah, c'est bon, quoi. Hop. Ah, oh, purée, je me rappelle plus du tout. Non. Ferrite magnétisée. Non, c'est pas ça qu'il me faut. C'est fou, ça, quand même, que je me rappelle pas comment on fait. Uranium, donc, non. Sodium, non plus. Ah oui, hyper noyau à distorsion, maintenant encore moins. Et ouais, non, je peux pas du tout la fabriquer en fait. Hein. Il me faut ça. Métal chromatique. Alors. Allons voir. Du carbone. Analyse. Poussière de ferrite. De ferrite, oxygène, c'est quoi ça? Uranium. Peut-être avec le cuivre, non? Ah non, c'est pas le cuivre, ça n'a rien à voir. On peut essayer, hein, mais à mon avis. Mais il est loin celui-là en plus. Ferrite magnétisée. À 1150 mètres. Toc. Non, c'est du métal chromatique. Carbone. Mince, alors attendez, parce que faut que je retrouve F. Cuivre à 522 mètres.
Machine endommagée. On peut essayer ça. Mais je crois pas que ça soit le cuivre. C'est quoi qui crie comme ça là? Non mais j'en ai déjà fabriqué, hein, sinon... Je me rappelle plus. Je joue pas assez régulièrement au jeu. On a une capsule là. D'accord. Nanite. Ah, j'ai reçu des nanites, c'est cool. Ah, c'est fou que je me souvienne pas comment on fait pour avoir ça. Ou alors il faut fouiller des carcasses peut-être. On va essayer le cuivre, mais j'y pense. Enfin, je pense pas. Ah bah si tu viens te mettre dessus, c'est sûr que tu vas te prendre des coups, mon gars. Alors, le cuivre, je pense pas, hein. Eh bah si. C'est ça, c'est le métal chromatique qu'il nous faut. Je sais plus, on va lancer. Mais c'est peut-être avec le métal chromatique qu'on fait l'autre, hein. On va bien voir. Ouais, c'est ça. Ok, c'est bon. C'était avec le cuivre, donc. Ouais. Allez, on y croit. C'est bon. Mais non. C'est bon, c'est n'importe quoi. Tac. Donc du coup, on fabrique ceci. Et après, on fabrique un contenant d'antimatière. Qu'est-ce que j'avais dit qu'il me fallait? De l'oxygène, ok. Il me manque de l'oxygène. Alors, oxygène, oxygène, oxygène. De l'oxygène. Ah voilà. Là, on passe ça. Un d'oxygène, on va pas aller loin avec ça. J'ai la radiation aussi qui joue. On va retourner au vaisseau. Et sur la route, on va essayer de récupérer de l'oxygène. Ah, ils me font peur. Hein. Ouais, j'en récupère, c'est bon. Pas autant que je voudrais, mais... J'en récupère.
alerte drone. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Je suis innocent. Ben, c'est bête, là, il y a plein d'oxygène. Il est où le drone? Ah, il est là, il traîne. On va attendre un petit peu. Peut-être que j'en ai assez. Non, j'en ai que 25. Ah, puis il y a ça aussi. Ah, il faut prendre des risques. Hein. Ouais, c'est bon. Et bon, carbone, oxygène, un petit peu, pas beaucoup. L'oxygène, il va m'en falloir pour remonter ma vie, enfin mon énergie, oui, ma vie, ouais. Alors, ça doit être bon normalement. C'est parti, on y va, on va y arriver, on va y arriver, on y croit. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui crie? Hop, le vaisseau doit pas être loin. Normalement. Allez, un petit effort. J'ai le drone aux fesses. Je m'en vais, t'inquiète. Alors, est-ce que je l'avais rechargé? Je sais plus. Oui, non. C'est tout? Ah, purée! Quelle radinerie! Est-ce que je peux aller sur la carte maintenant? Maintenant, je peux pas. Que je vais me faire attaquer dès que je vais sortir. Ouh, puis alors ça, 6 pourceaux. Bon, ils sont peut-être partis. Les méchants pas gentils. Ouais, ils ont l'air d'être... ne plus être là. Alors, X. La carte, donc. Un saut. Toc. Distorsion, c'est parti. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est une station, ok. Ensuite, on continue. Maintenant, il faut qu'on aille ici. Oh, il n'y a pas encore assez de carburant. Ça va être pénible, ça. Ça va me saouler. Alors, une planète. Qu'est-ce qu'il y a par ici, comme planète? Il y a celle-là, là. On peut aller découvrir. Hop. Oula, j'ai jamais trouvé
quoi maison? Ah, bâtiment inconnu, on va aller voir, tiens. Arrête-toi! Donc il va me falloir du cuivre. Et on a... Là, c'est où? Ah ben voilà, j'ai perdu le... Ça c'est quoi? Relique souterraine. On peut aller voir ça. Ok. Et ça c'est quoi ça? Phosphore. On n'est pas encore eu du phosphore, tiens. Très bien. Donc, c'est F. Encore du phosphore. Relique souterraine. Ah. Ça c'est quoi? Pas lourd blindé. Allez, voilà. On va aller voir un. Il y a un autre truc en dessous. D'accord. Non, il me faut du cuivre. Allez, on se concentre. J'espère qu'il y a du cuivre sur cette planète, parce que... phosphore... Cuivre, à 500 mètres. Oh. Cuivre à 393 mètres. Ah, il y a une son... Par contre, le bâtiment inconnu... Voilà, il y a un trou. Il n'est pas vu. C'est du carbone. Allez.
Oh, le drone, laisse-moi tranquille. J'ai rien fait. Pas encore, hein. Pas encore en tout cas. Alors, du cuivre ici. Ah, c'est pas vrai. Et on récupère tout ça. Ensuite, inventaire. Tac, tac. Cuivre. Lancer. Est-ce que je vais en avoir assez? Antimatière. Bah, je peux encore en faire. Encore en faire. Non, il me faut de l'oxygène et de la poussière de ferrite. Ah, c'est... Alors, poussière de ferrite. Ferrite pure, donc peut-être là-dessus. Non, pas le bon truc. C'est chiant ce système. C'est de la poussière de ferrite qu'il me faut. Ah, poussière de ferrite. Qu'est-ce que je récupère là-dessus? Du carbone. Ah, mais je suis déchargé ici aussi. Alors, de la poussière de ferrite. Là-dessus, peut-être? Ah, ben voilà. Ah, il y a un drone, maintenant. C'est que des pierres. Eh, hey, oh. Tu vas pas me saouler pour des pierres, quand même. Il est où? Ah oh bah, c'est une... je casse des pierres, ça lui plaît pas. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Mais ça va voir autre part. Qu'est-ce qu'on récupère là-dessus? La poussière de ferrite. Ah. Non, c'est bon, là j'en récupère. Ferrite pure, hein, c'est de la poussière qu'il me faut. Ah, poussière de ferrite, c'est bon ça. Ah, les jaunes d'œufs, là. Ok. Alors, est-ce que je vais avoir assez de... poussière de ferrite. Poussière de ferrite là-dessus aussi. Et mon vaisseau, il est par là-bas. Et après, c'est quoi qu'il me faut? De l'oxygène, je crois. Ouais. Alors, pourquoi de l'oxygène pour faire un contenant? Non. Je sais pas.
Où est-ce que je vais trouver de l'oxygène ici? Carbone. O2. Ah. Oh, c'est quoi ça? Ça fait pas beaucoup, hein. Ah bah là, là-dessus, sur les petits jaunes d'œufs, là. Ah, attendez, on a ça. Ami, ok. Bon, le drone, casse-toi, là. Il est où? T'as toute la planète, hein, pour te balader. D'accord. Si tu pouvais aller te balader sur le reste de la planète, ça serait pas mal. Ah oh, purée, il va rester autour de moi, c'est pas possible. Ouais, c'est bon, on s'en fout, allez. Hop. Pas de temps à perdre. Ça, il s'excite, là. Ah, c'est pas vrai. Il y a le vaisseau, il est là-bas. Allez, c'est bon, c'est parti. Ah, c'est quoi, ça? Racine douce. Ah, il est parti, là, le drone. Le problème, c'est que ça me donne pas beaucoup d'oxygène, quoi. Ça, c'est du dihydrogène. Et le... Attendez, on va essayer un truc. Le dihydrogène, il est où? Non, pas ça. Ah mince, oui, j'avais pas vu. C'est vrai qu'on a une tempête. Là-bas, aux deux. Ah, mais il y a un drone encore. Je peux prendre ça quand même. L'oxygène, c'est pas mal là. J'ai plus de place. Si, j'ai encore une place. Donc, le vaisseau, allez. On va pas être très loin. Ah, fin de la tempête. Tant mieux. Par contre, oui, le bâtiment inconnu ou je ne sais quoi... J'arrive pas à le retrouver. C'est quoi ça? Ah
Alors, est-ce que je peux... Hop, ça je peux peut-être faire de la place en faisant ça. Ok, impeccable. Ça, vaisseau. Technologie rechargée. 40%. Parfait, il va me falloir de ça. Ok. Impeccable. On va peut-être pouvoir y arriver à la suite de notre mission là. Hop, allez, on va sur la carte. On va là. On va encore avoir un saut à faire après. Et je pense qu'on va arrêter là. Hein. C'est l'aventure du jour. Pas passé grand chose. Bon, après, de toute façon, c'est le principe du jeu. Hein. Je suis pour rien. Le principe du jeu, c'est de voyager, de visiter, de découvrir. On est reparti. Allez, c'est parti. Vous dire, voilà, on y retourne. Signal de détresse. Ah, il y a un signal de détresse. Par là. Non, je le refais pas. Mince. Je suis né avec tout ce dont j'avais besoin pour explorer, c'est mon exocombinaison, mon vaisseau. Chaque outil et chaque impulsion m'ont mené à scanner et à donner un nom à tout ce qui croisait mon chemin. Mais ça, je suis incapable de nommer ce que je vois. L'orbe me montre des mondes qui n'ont jamais existé. Je vois la stimulation de quelque chose de primaire et d'incontestable. Je vois le cri d'agonie d'un dieu ou quelque chose qui s'en approche. Il veut que je poursuive mon voyage à la recherche de fragments de son interface. Les pierres de l'Atlas, il se réjouit de mes répétitions, de mon obéissance, de mon nuage d'ignorance. Bon, on va continuer à chercher les pierres de l'Atlas. Hein. Approuvé. Je me consacrerai au voyage, je suis prêt à tout. Je ne faiblirai pas. Ok, nouvelle recette apprise. Bon, bah c'est bien, on va avoir appris deux nouvelles recettes. Avec du cobalt ionisé. Oh, bah ça, je sais pas faire. Ok. Je suppose qu'à un moment donné... c'est quoi, ça? Ah! Ça se trouve, j'en ai loupé dans les autres trucs. Ah, j'y crois pas... J'ai passé je sais pas combien de temps à essayer d'en trouver, d'en créer, et puis tout, et en fait... Je suis dégoûté. J'ai pris le mot « et » en atlas.
réalité, en Atlas. Bon, bah, on aura un petit peu avancé sur les missions de l'Atlas. Et, d'accord. Nous. Hop. Et un dernier là. Au-delà. Allez, bah écoutez, on va arrêter ici. J'espère que cet épisode vous a plu. Un petit peu chiant, j'avoue, parce que ouais, refaire à chaque fois des cellules pour remettre en carburant, c'était un petit peu casse-pied, mais bon, après on a découvert des choses. Ouais, en plus on avait une planète à... Ah oui, on avait un truc à... Ouais, bon, tant pis, c'est pas grave. La structure inconnue, bon, c'est pas grave. Bref, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, même laisser un commentaire, on continue notre progression donc dans l'histoire... Et dans cette découverte des différents... cette série de quêtes de l'Atlas, en fait. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous donne rendez-vous donc pour le prochain. Portez-vous bien. Bonne journée. Bye bye.